changer la police de caractère ou changer la taille des lettres. On va aller dans l'onglet accueil et on a ces deux petites cases. Celle de gauche, c'est pour la police de caractère. Celle de droite, c'est pour la taille. Donc pour la police de caractère, donc, je mets en surbrillance mon morceau de texte. Et puis par exemple, je vais décider de me mettre en Arial, là, par exemple. Alors, si je ne l'ai pas dans la liste, je peux descendre. Voilà. Première méthode. Donc là, par exemple, je peux me mettre en Arial. Je peux aussi commencer à taper une police de caractère. Donc là, il me propose par exemple Comics sans MS. Si je suis d'accord, je valide. Pour changer la taille des caractères, autrement dit des lettres, vous avez la case qui est juste à côté. Et puis vous avez un chiffre, là on était en 11 et on peut allègrement changer de taille.